Reginald Boulos, dans le monde qui était dans la réunion pour planifier l'assassinat du président. On a parlé de lui en dernier, mais on a toujours, nous allons parler de deux points sérieux que nous avons planifié pour le débat pour faire ce presse-là. Et l'autre point, la question du défi Valentin, la ville en troisième position. Et après, la vraie question. La première chose, c'est la libération des prisonniers politiques. Dans le moment que nous vivons là, pas qu'à gagner un prisonnier politique, ça y est. Parce que il y a plus de monde qui a été arrêté. Et le monde, ça y est, a été arrêté en dehors de la loi. Il a été arrêté au bout des questions purement politiques. Et je dis, moi, je crois que il n'y a pas qu'à arrêter dans la prison. Il y a un panel qui lit Baba, Jean-Denis, Apollo Oka. Nous croyons que il y a plus d'efforts que l'avocat a fait. Mais il y a pile de la loi qu'a fait. Je dis à Haïti en action, il y a pile d'autres organisations côté solidarité à tout le monde sérieux et nous dit qu'il est le temps pour nous laquer. Et nous dit, pour d'appel pour Ouest, gagner la Biascorpus qui a fait, il y a demandé de vos épiers, il est le temps pour que la commission pour d'appel là. Composition pour l'appel là, eh bien, il a statué et il a libéré monsieur parce que je dis, il est en prison, non seulement prison, parce qu'il a une position politique. Extrêmement important, il a demandé dans le plus bref délai pour libérer le prisonnier politique. D'ailleurs, depuis la prison, je ne dis pas que c'est pas mal manger, il a maltraité, ceci est inadmissible, ceci est intolérable. Parce que la bataille que nous avons faite, les gens qui ont campé dans la bataille avec nous, je dis à nous ne pas quitter nos comptes, nous ne pouvons pas quitter nos prisons. Et nous demandons pour nous la guerre. Parce que je dis à toute mobilisation importante, nécessaire pour que nous disions aux autorités qui sont dans la prison pour que nous la guerre, pour que nous rejoignions la famille. Deuxième point que nous devons parler dans la conférence de jeudi, c'est la question de sécurité. Nous vivons une situation intolérable dans le pays, dans les affaires, question de sécurité. Nous ne pouvons pas parler de l'équipe qui a fait, parce que le monde ne peut pas parler de ça. N'importe qui monde qui sortit là, qui a fait une activité, c'est quand nous sommes héroïques. Tellement que, eh bien, il a tombé ou il a kidnappé. Ça nous constate dans le pays, sous question de l'insécurité. Nous constatons que 5 départements qui coupent le reste du pays. On va aller là-dedans. On part dans l'ouest là. Nîmes, Jérémy, Grand-Est, Sud, Okaï, Sud-Est, Jacmel. À cause de la route, côté que Bandi établi, c'est le monde qui a mouru chaque jour. C'est l'hôpital qui a fermé. C'est la police qui a couru, qui n'a pas arrêté dans le commissariat. Et puis, c'est quand on garde son bagage normal. Ceci est anormal. Il est important que la population passe normalement pour le vaquer à l'occupation. Toute activité qui est dans la zone Zayo, c'est que vous, vous garantissez. Deuxième situation que nous avons dans le pays, nous avons la police nationale qui est partiellement présente de certains côtés, qui n'est pas présente de l'autre côté. En plus, le policier est démotivé. Et puis, l'unité spécialisée, c'est que vous dysfonctionnez. C'est que vous n'avez pas une unité spécialisée. Toute unité, sans des sécurités des commissariats, pas de différence entre police administrative et police judiciaire. Quand ils ont toujours été dans la capitale, ils sont toujours lourdement armés et ils ont occupé en pile zone économique, côté que c'est eux qui prédominent. Et de temps en temps, quand ils kidnappent, de temps en temps, n'importe qui ça a fait, et puis la police, c'est comme pour lui normal. L'armée n'est pas opérationnelle, mais l'armée a un budget qui a servi. Si l'armée a un budget de plus de 2 milliards, il n'y a pas qu'à bailler pour que nous ne connaissions pas qui ça va faire.
comment que les cas fonctionnent en complémentarité à la police. C'est près de 1 milliard, 100 millions de gouttes qui ont dépensé. Pour qui ça comme ça a dépensé? Pour qui ça? Pas qu'à gagner en combinaison armée police pour que vous fassiez face à la question d'insécurité ça. Dans le commissariat, pour que dans un moment, vous ne pas réoccuper le commissariat et l'armée qui même l'a fait payer même de protection. Mon service d'intelligence qui fonctionnel, c'est l'FMO arrivé seulement. Il a débloqué 30 millions de gouttes et puis les a, comme là, à dispatch. Mais, il n'y a pas rien qui a passé dans le pays. Il y a normal, bon, comme vous avez, c'est pour comme ça, aider dans l'opération. Toute opération policière, c'est 80% intelligence, c'est 20% opérationnel. Si comme intelligence, les marchands ne servent à rien, comment pour opération réussir? La dit, CSPN là, comme intelligence là, pour aller pour faire travail là, 80% de travail. Parce que la police, pas gagner tous les moyens pour faire opération. C'est intelligence qui a fait une opération ciblée. Mais si l'intelligence là, comme la va aller dans ça, comment que la police a fait travail? Je crois que c'est la police qui a fait comme ça. Et c'est pour exiger que comme ça, l'aller dans l'intelligence là, parce que si ce n'est pas ça, il y a toujours dit c'est lui qui prend, c'est lui qui n'a pas fait travail là. Eh bien, par rapport à la situation, ça, moi-même, ça fait plusieurs fois que j'ai offert à la police. Mais par rapport à la situation, ça, moi, continuer à faire conseil en attendant que vous compreniez l'importance ça. Quelles 10 actions pour nous entreprendre par rapport à l'état de fait que nous sommes établis là. Pas rien, moi, quoi là, qui est possible pour nous faire. L'essentiel, tout le monde d'accord que je dis là, la situation est en blanc. Non. Pas besoin de faire plein là. Il y a des bagages qui sont faits là. Il y a des gens qui résolvent. Mais 10 recommandations que vous faites. Premièrement, il faut redéployer la police là. Parce que le mode de déploiement qui est fait là, c'est un déploiement administratif. Il faut un redéploiement opérationnel. Il faut la police réoccuper le commissariat. Matissan, Douya, Cité Soleil, la police PACA, d'accord que. Dans le déploiement de l'enseignement de commissariat, il y a eu d'accord que le commissariat a été et puis il y a des gens. Donc il faut qu'on ait un déploiement opérationnel qui fait avec l'occupation des commissariats. Il faut que vous repositionnez l'unité spéciale sur la route principale. Parce que je dis à n'importe qui est-ce qu'on voyage dans le pays, il y a un peu de souffle. Parce que cette route-là, même si vous n'avez rien, même si vous gagnez privé, mais vous n'avez pas peur. Parce que vous connaissez pas en sécurité. Il faut que je dis à l'unité spécialisée pour gagner, soit Tim, Simo, que conformation intensive que vous avez, même si 15 jours, vous avez déjà une formation. Vous remettez dans le bain et vous faites des opérations spéciales. C'est l'unité sur qui là. Pour le moment, nous avons des problèmes dans le déploiement. Mais, en formation intensive, qui permet de reprendre l'opération. Parce que nous n'avons pas aucune opération. C'est que pour nous, l'inormal que les gens qui campent, capturent, médecins sans frontières fermées, nous avons tombé, la police n'a fait aucune opération. Et pour la police faire opération, l'outil que la police gagne, c'est les unités spécialisées. Unités spécialisées, oui, les unités ordinaires. Parce que nous avons fait travail de circulation, nous avons fait travail du commissariat. L'unité spécialisée, c'est pour les opérations spéciales. Quatrièmement, il faut une diminution de policiers qui ont un détachement. Nous avons détaché parce que tous les policiers, chaque autorité, il y a 5-6 personnes. Quand nous avons détaché des gens pour des leaders politiques, si on commence à détacher pour les leaders politiques, tous les policiers, à dehors. Alors que les policiers, mission principale, c'est protéger le peuple là. Il faut nous diminuer le nombre de policiers. Et puis, les policiers, au lieu de l'unité spécialisée, il y a 200 personnes. Puis, on retourne 400-500 policiers dans l'unité spécialisée. Parce que le principe des opérations, leur vivre situation, c'est le principe de la masse. Si vous avez une opération, vous ne pouvez pas habiter 20 policiers en face de 100 personnes qui n'ont pas.
comme étaient 300 policiers en fonction de ça. Parce que le principe, ça, c'est le principe de la masse, qui a fait que pour éviter justement pour la télé. Deuxièmement, il faut tout policier qui est GPL 4 qui était en détachement, faire retourner dans la base. Il a quitté l'unité spécialisée de président, il a même protégé tout le monde. On désordre la question de ça. Les policiers, c'est son seul entraînement pour le faire dans la base. Septièmement, il faut une mise à jour de l'effectif du policier. Dernière fois, la police, je l'ai dit, il y a environ 13 000. Mais soit sur les personnels là, il y a 13 000. Côté leur policier. Est-ce que c'est des policiers qui ont détachement? Est-ce que c'est des policiers qui partent? Est-ce que c'est des policiers qui désertent? Si on parle de la police là, il faut que vous mettez à l'écart et comme ça, il y a un recrutement qui vous fait pour que la police arrive à 15 000 là. Et puis, vous avez payé, si on a besoin de bloquer dans le budget. Et c'est ça qui me devient mort. Parce que je dis, si vous projetez à faire des élections et vous comptez sur force haïtienne, et il y a 12 000 bureaux de vote. Vous avez 12 000 bureaux de vote, il y a 12 000 policiers. Il faut qu'il y ait au moins minimum 15 000 qui en activité de service. Donc il faut assainir la police. Hein? Il faut que nous contrôlions exactement combien de policiers qui sont. Que l'inspection générale décide sur les policiers qui en attente, qui a dit qu'il n'a mauvaise affaire pour retirer dans la police là. Et que pour mettre effectif la police là, non, au niveau côté des gens qui ont débloqué pour eux. Tout le travail que vous faites pour que la police là puisse servir vraiment comme élément de la force publique. Et puis, mon utilisation rationnelle de 30 millions de gouttes qui débloquent pour CSPL là, chaque mois. Aucun service d'intelligence qui n'a des CBG. Aucun service d'intelligence qui n'a des CBG. Aucun service d'intelligence qui n'a des CBG. Bon, quoi qui débloque. Il faut regarder ça comme travail pour que vous là, pour que vous fait des opérations d'intelligence en vue des opérations policières. Je dis à tout ça qui a fait de l'intelligence, vous n'êtes pas lié à opérations policières. Et pas grand rien qu'on va faire pour l'opération pour le gars là, que si on n'a pas d'intelligence, on va faire et qu'on compte qui est débloqué pour l'intelligence. Il y a un problème dans la finance publique. Mais malgré tout comme ça, il va jamais souffrir le retard. Donc c'est pas souffrir de la folle utile. Et je dis, nous avons besoin, puisque l'opération policière, c'est 80% d'intelligence. Et en fin de compte, opération spéciale. Il faut que vous continuez. Ou pas qu'à faire opération spéciale. Dans zone, vous faites aujourd'hui à 1er juillet, ou faire l'autre en 1er septembre, ou faire l'autre octobre. Ou permettre à toute opération pour faire alligater, parce que vous avez gagné la consolidation des positions. Moi, je pense que c'est des théories très simples. Des théories très simples de ça que la police peut faire. Parce que je dis à l'inacceptable que nous d'accord depuis 2 mois que mon route est bloquée, que la population qui a souffert chaque jour, soit la courir, soit la passer sur moto, qui connaît que l'exposé de la combat. C'est inadmissible que je dis à tout et que pas aucune opération qui fait le désarmement dans l'autre zone, nous restons capables de passer dans l'autre zone. Donc nous pensons que je dis, nous ne pouvons pas arrêter à parler simplement de politique, il faut regarder les problèmes sérieux. Les problèmes sérieux, il faut les résoudre. La libération des prisonniers politiques et sécurité pour la population. Minimum ça le café. Nous avons besoin de blancs pour faire. Nous avons les moyens de le faire. Que ce soit moyens financiers et moyens effectifs qu'il a. Il faut simplement nous concentrer et nous connaître la population, c'est le patron, et que c'est ça qui nous fait aujourd'hui. Mais deux bagailles que nous devons au départ parler et nous demander que pendant ce maintenant, que nous commençons réaction sur la libération des prisonniers politiques et sur la sécurité, ce travail que la police nous fait. Et moi, après, la dernière fois, si l'armée
un budget de plus de 2 milliards de gouttes pour la visa, même si c'est 500 000 livres en Haïti. Parce que 1 milliard de gouttes, ça fait le corps pour la visa. Ça fait une taxe de priorité là. Maintenant, vous devez parler du sujet ça qui était soulevé hier, le greffier Valentin, le greffier de Pétionville, qui, dévocation par les avec hier, l'homme était ouais, contre lui qui était sorti, il était dit, il était demandé, mettez greffier à, et demandé, greffier à, mettez non, il y aurait la torture à Réginald Boulos, dans la question dossier assassinat président. Moi, Martino, depuis longtemps de la carrière, depuis 2006, le sénateur de la République, c'est chaque jour qu'on a attaqué ce dossier de l'Isaac. Il y a même des Français qui ont attaqué parce que ont demandé la sécurité générale à côté. Ils ont dit non, moi capable, comme officier, et puis ils ont fait le journal avec le monde. Ou bien dans la Tibonite, ils ont demandé de faire alliance, ils ont pas fait, ils ont attaqué, ils ont dit, il y a l'ambassade qui a dit non, bon. Pas un peu, mais c'est ça. Parce qu'on est dans la vie. Ou pas j'en peur, ça va faire, ou peur, ça va faire. Et courage, moi, je toujours continuer la bataille, parce que, moi, pour être aujourd'hui, nous tous, depuis mon rôle que nous avons dans le pays, ça va faire une bataille pour les haïtiens. Et c'est leur bataille ou des difficultés. C'est leur bataille ou bon guide. Mais la bataille. Mais l'homme tenté, les filles arrêtées, par la veille, pour le dire, il y a un monde qui vient demander de mettre le nom. Non, dossier ça. Moi, j'étais choqué quand même. Parce que moi, je pense qu'un dossier comme ça, aussi important, un dossier qui a un lieu international. Quand ils sont plus transnationaux, puisque comment c'est préparé dans Colombie, t'es en Afrique, t'es en Afrique, t'es en Réunion, t'es en États-Unis, c'est nous-mêmes, et puis on vient du président. L'on a essayé de virer le dossier ça sur le monde. Ceci est extrêmement grave. Quand les gens ça ont dit du président, ils ont tellement. Il y a une force tellement puissante. Je viens de faire attendre à bien essayer de virer le sous le monde. Ça veut dire que le monde a fait enquête, vous devez connaître ça à faire. Dans les erreurs qui étaient déjà faites dans le dossier, ça. Depuis l'heure, il y a eu le crime. Là. Tant que vous êtes au commissaire gouvernement, juge de Bernouville, plusieurs mondes qui entrent dans le dossier, plusieurs informations qui ont été contradictoires. Jusqu'à présent, dans mon juge d'instruction, il est important pour corriger tout ça. Et ça, on va appeler, je ne voudrais pas. Bon, il faut tout le peuple haïtien invité pour que je ne voudrais pas qui tue dans ce domaine. Parce que là, nous remarquons, les gars ont essayé de détourner. Et mon gars a détourné, le plus souvent, c'est le monde ça. Il fait. A essayé de détourner. Nous, même ça, c'est important. Parce que j'en ai dit, nous ne pouvons pas faire ça. Ça, nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas faire. Ça qui est important, c'est que dans ce système-là, je dis à me féliciter Griffier ça, Valentin, qui lui-même choisit pas entrer dans ça. Parce que il y a un qui est arrivé, je dis qu'il prend pression et puis maintenant. Et là maintenant, on va nous trouver les mêmes gens en pire situation avant, à défendre des points, dans le bagage de pays. Je dis à fois que vous avez des gens quand même juste ça, juste Pétionville. Griffier ça, c'est des gens qui sont braves, c'est des gens qui sont dans ce système-là. Eh bien, il faut nous demander sécurité pour nous. Il n'y a pas de sécurité depuis longtemps. Il faut nous parler de sécurité. Nous tous disons dans la justice là, quand il y a des gens, c'est des vendus. Mais greffier, ça a montré qu'il fait travailler. Il n'y a pas de pression. Et nous disons greffier, tout téléphone qui avait écrit là, qui était dit à balle dans la tête là, eh bien, ce dossier ça pour remettre la justice, pour le bon plein. Qui pour faire que vous jouez le monde ça? Parce qu'à partir de Mounsa, il y a demandé 10 actes de l'intercli pour le début de Griffier à ça. C'est ça que je dis à qui c'est vrai. On a dit Griffier à Kevin Femme, on a demandé l'État pour protéger Griffier à ça. Nous avons habitué à bataille, on a toujours bataillé. Mais protéger Griffier. Parce que c'est des gens pour ça que nous avons besoin dans ce système-là. Des gens honnêtes qui ont fait le travail, sans être obligés de vendre. Non. Et nous demandons encore une fois pour protéger Griffier à ça. Depuis longtemps, depuis le 10 juillet, il y a une pile menace qui nous a rendu que nous protéger. Nous-mêmes, pour côté de la continuer à batailler pour non seulement le président Jovenel de la justice, mais aux jeunes frères. Il y a une pile déclaration qui a fait
nous avons essayé de désorienter les questions. Parce que je dis à notre président, si on a une justice, n'importe qui est ça, qui est victime. Il est important que nous jouions vraiment qui fait ça. Voilà, en général, le point que nous devons soulever jeudi, la libération des prisonniers politiques, recommandation pour les populations de sécurité et question de FIA pour nous dire que nous pas peur, mais protéger le FIA et surtout, le monde qui devait faire ça, il faut que la justice, mesdames et messieurs, vous connaissez, arrêtez tout ça et vous connaissez qui est-ce qui est capable d'elle qui voulait dire ça. Merci beaucoup. Par rapport à ces sources, est-ce que c'est la source anonyme? Non, c'est. Il dit que c'est madame la tribunal là pour qu'il y a avec une masse. Il dit qu'il faut qu'il y ait ajouté non, c'est la même aventure à l'original Boulos. Mais il a dit qu'on l'a non. Et après, mon téléphone qui écrit, qui dit souvent appeler fait ça autour là, il y a encore deux balles. Parce qu'à partir du téléphone là, je vais remonter pour jouer l'identité. Sénateur, et par rapport avec l'insécurité que tu as parlé, est-ce que solution au problème qui est venu à là, est-ce que solution c'est et pour voler une ZAM qui est dans le pays là, c'est attaquer les armées qui solution et sécurité? Solution au problème ça qui là, l'organe de mouvement comme ça, c'est deux bagailles qui là. C'est intelligence et opération. On ne peut pas faire de grandes opérations de masse puisque Bandio est éparpillé dans la population. C'est l'intelligence qui peut permettre de faire des opérations ciblées, des opérations spécialisées. Donc, je dis à tout ça, la recommandation que vous faites, nous demandons pour que, comme intelligence, l'aller dans l'intelligence pour que nous gagnions avec des unités spécialisées, des opérations spécifiques à partir des informations tirées du système d'intelligence. C'est pour toi que vous voyez que c'est la force internationale qui a répondu à la sécurité et puis position à son cherché là ou à quoi. En force militaire, pas qu'à résoudre le problème d'insécurité. Nous voyons ça déjà. En 1994, c'était une force militaire qui a créé. En 2006, c'était une force. Et le problème de sécurité a posé à l'intérieur des quartiers. Je dis à une force militaire qui a stabilisé le pays de façon macro. Mais réaliser sécurité à travers les quartiers, limiter intelligence, opération ciblée pour la répression et les opérations sociales. Après de l'État, le que nous faisons, vite fait, opération ciblée. Mais pas aucune force militaire. Nous devons faire 14 déjà, nous faisons 2006 jusqu'à 2017. Nous n'avons pas jamais qu'à résoudre le problème ça. Parce que nous-mêmes, nous sommes contentés de stabiliser le grand intérieur et protéger l'institution pendant que le problème ça est installé à l'intérieur des quartiers populaires. Est-ce que la collaboration a été seulement sur les recommandations? Est-ce que vous avez des possibilités pour rapprochement si jamais au mando, expertise ou privé, institution commissaire? Je suis disponible 24 sur 24 et ça fait 6 mois depuis que je offrir et ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans depuis que j'ai fait les recommandations. Je n'ai pas beaucoup fait les recommandations parce que c'est pas haïtien qui a besoin de vivre en sécurité. À quoi politique, c'est ce qu'on a fait du côté à Haïti. Vous êtes Lambert, Ariel Henry ou bien l'autre? Haïti en action est situé en tant que vote. Et tu comprends qu'il y a des bons consensus qui étaient faits depuis le départ. C'est-à-dire 2 ou 3 jours après l'assassinat du président, nous sommes réunis. Et mon consensus qui est sorti. Parce que pour le moment, il n'y a aucune force qui a une intention ou cette prétention mario que nous appliquons. C'est un consensus qui devrait être trouvé. Puisque l'opposition n'a pas fait la révolution,